Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer pour la première fois comment j'utilise les Flexibox sur mes cheveux. Donc, je commence par hydrater mes cheveux avec une crème hydratante, un leave-in conditionneur quoi. Ensuite, je mets de l'huile, je démêle et je fais des vanilles pour faciliter l'application des bigoudis. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, j'ai fait des vanilles pour simplifier l'application et je commence à appliquer le bigoudi à la racine et ensuite je serre le bout avec le bigoudi. Donc je vous laisse regarder, c'est un petit peu complexe à expliquer, mais j'enroule ma vanille et ensuite je plie avec le bigoudi pour coincer le bout de mes cheveux, et si c'est pas bien fait, je le reprends pour que la pointe soit bien coincée. Et là, je replie mon bigoudi sur lui-même parce que moi je vais dormir avec les bigoudis et c'est hors de question que je laisse l'autre bout pendre comme on voit à l'américaine et tout. Non, ça c'est pas pour moi. Donc voilà, j'ai tout replié, ça a pris un peu de temps. Mais ça a été. Et franchement, avec les vanilles, ça se fait vite fait. J'ai fait mes vanilles ni trop serrées, ni trop lâches. Voilà. C'est ma base pour bien appliquer mes bigoudis. Et j'aime bien faire cette technique lorsque je mets peu importe les bigoudis. Une fois que j'ai tout appliqué, je viens travailler les contours de mes cheveux avec un peu d'eau et de gel. Et je rajoute un peu de crème pour bien reboucler le tout, donner une jolie forme. Et j'attache le tout et je vais dormir. Et comme je ne sortais pas le lendemain, j'ai gardé mes bigoudis 2 jours. Donc du coup, mes cheveux ont très bien séché. Et là, je vais retirer mes bigoudis pour voir le résultat. Est-ce que je l'ai bien appliqué? Est-ce que j'ai de belles boucles? Donc, je suis assez satisfaite du résultat. J'ai un beau rebondi, franchement. Je kiffe. J'ai retiré tous les bigoudis et je peux vous dire que j'ai des boucles de folie. Ça va être trop joli lorsque je vais dédoubler tout ça. Sur les côtés, j'avais mis du gel. Bon, ça s'est un petit peu aplati. Il suffit de remettre un petit spray pour remanier le tout. Donc là, je vais dédoubler. Je vais défaire les vanilles que j'avais fait. Donc déjà défaire les vanilles et après je vais reséparer et je viens vous montrer le résultat. Déjà juste les boucles, je trouve ça juste joli. Pour une première utilisation des Flexi-Roll, je trouve que je me suis bien en sortie. À la base, je voulais mettre les Perms Wood. Et là, c'est les Flexi-Roll. Ouais, ça, c'est les Perms-Roll. Mais j'ai cherché dans toute la maison. Je ne sais pas où j'ai mis ces bigoudis-là. J'espère que je ne les ai pas jetés parce que j'ai fait plein de rangements chez moi. J'ai jeté des trucs. Et peut-être que c'était dans un sachet et que j'ai jeté. Enfin, bon. Pour une première utilisation des Flexi-Roll, ça va quoi. Bon, on se retrouve pour la fin quand je serai on the flick.
On travaille les finitions. On mouille un peu. Aïe! Légèrement. C'est parce que la dernière fois, j'étais en train de jouer avec mon copain et je jouais avec ça. Donc, j'ai changé le calibrage. Et voilà, ça s'est retourné contre moi. Voilà, le karma. Aïe! On mouille un tout petit peu pour que les cheveux puissent reboucler. J'ai une petite brosse juste pour là. Et là, je vais mettre un peu de gel. Vous connaissez ma technique de gel. J'aime le léopard, je vous montre mon coussin léopard, vous avez vu mon petit. Septième chose, j'aimerais me tatouer une hibiscus sur le corps. J'aime faire des gâteaux, crêpes,